Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien. Bon tourne. Tu vas savoir. Que la vie est spirituelle. Et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. Même tu l'avais dit, tu l'as dominé. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? Apatia à l'élo, na commission intouchable. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo. Na lini ya batu ba isapa makambu ya tenye wa. Je vais te suivre, attends les cieux qui nous voient, Seigneur.
déclare dans les livres de 3 des livres de Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si tes actions, si ta vie t'est condamnée, si les actes que tu posais pouvaient t'emmener à la perdition de ton âme, je suis venu aujourd'hui t'annoncer qu'il y a un Dieu qui t'a aimé et qui a donné son Fils unique pour que tu sois sauvé. Oh,
Père, nous t'exaltons, nous t'élevons. Nous élevons ton nom car nul n'est comme toi. Nul ne peut exister semblable. C'est toi le créateur de tout. C'est toi le maître de tout. Nous adorons ta grandeur. Zambe yaba milimo yonso. Le Dieu de tout esprit. Devant toi, tout esprit fléchit. Nous devons nous fléchissons. Amen. Nous déclarons tu es Dieu. Oza Zambe. Tu es Dieu. Aucun autre ne peut être semblable à toi. Merci. Matondo. Pour tout. Merci. Matondo. Pour tout ce que tu fais parmi nous. Merci parce que vous êtes Zambe Oyo Bakokiko confinete. Merci parce que tu es ce Dieu qui ne peut jamais être confiné. Car ta puissance traverse les frontières. On ne peut jamais confiner télévision, instrument technologie. Ta puissance traverse les téléviseurs et tout instrument de la technologie. Parce que actuelle. Car c'est toi qui es l'auteur de l'intelligence humaine. Merci pour ta souveraineté. Maintenant, de pona qui me continue. Tu pèses merci. Tu pèses botondi. Et n'attends pas l'élo. Ce matin. Kende longo na biso. Avance avec nous. Lobe la biso. Parle-nous encore une fois. Simba biso. Doucement. Que ton esprit prenne contrôle absolu. Et nous jurons te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bandek na ye libino mbote et na pesibino mbote munene pona sanza ya out oyoto bandi depuis lobby et na yambio na sanza na biso ya examination de soi-même. Et bien aimés, je vous salue tous de partout où vous êtes en ce deuxième culte de notre mois d'août 2020. Oyo te bengi sanza na biso ya komita la biso moko. Pona nini? Parce que lilobazambe a lobi aussi longtemps que les ajouts to mi rappeler que Yesu Masia azozonga kala mingite. Et Nayango et Sengeli, tu m'as examiné chaque jour. Et tamboulé l'inabiso, ce qui te stoppe bungi ou bien te zana nous nanzela. Pourquoi ce thème? Parce que la parole de Dieu nous dit aussi longtemps qu'il est jour, que nous rappelions à chaque fois que Jésus-Christ revient bientôt. Voilà pourquoi, pour nous préparer en conséquence, nous devons examiner notre conduite de tous les jours. Alléluia. Amen. Il y a un autre dénommé sans aïa out, sans aïa examination de soi-même. Alléluia. Amen. Il y a un yambio na sans aïa examination de soi-même. Encore une fois, je t'accueille en ce mois d'examination de soi-même. Dengue toza, et sengeli totala chaque jour. Parce que l'ilobazambe lobi, kondi ma yabatu ebele, eko kufa na tango ya suka. Bolingo yabatu ebele, eko refroidi na tango. A cause ya trop de méchanceté na mokili. Yango wana, il faut omi examiner. Est-ce que oza nanu? Kondi ma na yue zananu, ume isi espire. O bolinga na yue, parce que nangonga, oye na makamwezo salema, uzumu na ke, ebele yabana zambe, cause il y a manque d'exposition à la parole. C'est pas tout le monde qui a la télé dans leur maison. Nga na so sala offre sociale chaque vendredi na kota kana banda ku na basité. O koti na ndako abatu musu o moni condition ko vivre abatu. Mais ozo garder l'âme na misu. Ozo sala kimobali. Batuana c'est genre azana télévision té. Sans téléviseur parce que baza exposé à la parole.
Et c'est de cette manière que la foi de nombreuses personnes est rabaissée par manque d'exposition à la parole. Alléluia. Amen. Surtout ces personnes qui n'ont pas étudié, qui ne savent ni lire ni écrire, quand ils n'écoutent pas la parole de Dieu, comment feront-ils? En ces temps de la fin, je prie que ta foi est élevée. Parce que c'est ça le projet de l'ennemi. Et tout ce qui s'est fait aujourd'hui, que ce soit par les réseaux sociaux ou par tout autre canal, on vise la foi des enfants de Dieu. Frappe le berger et les brebis dispersent. Et il y a d'autres qui sont même des machinations juste pour frapper les bergers et disperser les brebis. Papa kotika la papa, maman kotika la maman, ba changer kabangote. On ne change pas le père et la mère, ils resteront tels. Ce qui osa maye les soso la malubawana. Et si tu es avisé, si quoi qu'il arrive, kangama. Quoi qu'il arrive, reste attaché. C'est le combat du temps de la fin. Entre ténèbres et lumière. C'est le combat entre les ténèbres et la lumière. Mais longa isa yabiso. Mais la victoire na kombo, na Yesu au nom de Jésus. En ce jour, ce matin, nalina atterri na oyo tubandi ko partager depuis. Atterrir par rapport à ce dont nous avions parlé depuis le mois passé. Dengi na lobaki. Dès que j'avais dit. Na ba matea oyo la kana ba cute na bisoke. Eza sujet moko très important. Eza lika momo ko motuya makasi. Eza très 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 important mais très très négligé aussi. Ya solo eza motuya mingi kasi bana nzambe bele ba mona ka yango pamba. Eza secret munene ya ba grand même na kati ya makomito zotala. Même na kati ya royaume ya christianité ba oyo basali espoir na zambe. Baza batu ba sosoli la direction divine. Et c'est un secret grandiose pour ceux qui ont fait des exploits dans ce royaume chrétien. Réussite na yo evandiwana. Ta réussite s'y trouve. Prospérité na yo evandiwana. Ta prospérité s'y trouve. Protection na yo evandiwana. Ta protection s'y trouve de même. Sécurité na yo evandiwana. Ta sécurité s'y trouve. Yo so eza lié dans cela. Tout est lié à cet aspect-là. Très important. Mais très négligé. Moi, je suis un homme qui a abandonné le salapo, a monique, maman, a zoteka, a nini, yepe, a banaroteka, maman, a zo salabo, yepe, a banosala, a monie, le coyo, ne za la mode. Non, non, ba copia kate, moutuna moutouazan, zelanaye, zelaya safi, ezan zelaya deborate, zelaya debora, ezan zelaya mariate, zelaya maria, ezan zelaya. Chacun a sa voix, la voix de l'autre n'est pas ta voix. Yango, la direction divine est très importante. Tanga ponanga lisu palasuka, Psaume 32:8 et Psaume Isaïe 48:17 pour tout démarrer. Pour démarrer, nous allons lire nos deux versets principaux. Version Darby. Psaume chapitre 32, verset 8, version Darby, j'ai dit au nom de Jésus. Je t'instruirai et je t'enseignerai les chemins où tu dois marcher. Oui. Je te conseillerai ayant mon œil sur toi. Je t'instruirai dans le chemin que tu dois marcher. Maman yali kamo yangwana. Ce qui est balobi est obligatoire. Tu dois marcher, tu dois. Ce qu'on y a aux autres machines, aussi gâché. Amen. Si tu marches ailleurs, tu vas tout gâcher. Version Lingala, psaume 32, verset 8. N'a côté à yo, benakola qui saillon de la oyo au sengeli kolanda. Oyo au sengeli kolanda. C'est-à-dire, on a obligé. Cela veut dire que vous êtes obligé. Maintenant, yo ozo la nangote. Et vous ne suivez pas cette oh, mokeli mokeli na yo mutu akela ki yo mutu atindi yo na alobi nzela na yo yango yo esengeli yo la na me yo oyebi yango te olania ozo sala n'importe quoi okore ici de ngini oko prospere de ngini. T'as donné une voie à suivre mais toi tu ne la suis pas, comment vas-tu réussir et prospérer?
Si tu apprécies cet homme que tu suis, et là, la direction divine. Ce que tu peux apprécier, c'est la direction divine. C'est la direction divine. Si je n'étais pas venu ici, c'est dans la direction divine. Tout ce que nous voyons ici, nous devons le faire. Je ne vais pas rencontrer Nangaite. Elle ne va pas me rencontrer non plus. Mukolo na kitina aéroport ye mtu azungia na mtu kanaye oyo ekota kana boîte de vitesse ya misa tu tesuka kana boîte de vitesse ya 2. Et ça va tu me connaître catch ya rouge na kubosha na tena vina. Qui n'allait que jusqu'à la deuxième vitesse n'atteignait pas la troisième. Na interprète avec l'interprète. Bazwingai. Mais tu as la place tous aller et tous aller tilelo azama mananga na mko. Tous aller tilelo ensemble. Amen. Et voyez là où nous sommes arrivés. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en bon terme. De 20 dollars. De l'on a 20 dollars. Voyez ce que tu as. Tout ça, c'est quoi? La direction divine. Alors, je t'instruirai dans le chemin que tu dois marcher. Tout chemin n'est pas un chemin. Il y a des chemins que tu vois, c'est un chemin, mais ça t'amène à la mort. Au nom de Jésus. Yango, Eza, fondation de base pour la prospérité, avancement, tout. Voilà pourquoi c'est une fondation pour la prospérité, l'avancement et tout pour un chrétien. Ésaïe 48, maintenant, verset 17. Écoutez, Ésaïe. Tu dois marcher et bimi les sous. Et pour ton profit, et bimi. Voilà pourquoi on doit prêter l'attention à suivre direction. Il y a et localiser mes oeufs chaque jour. Qu'est-ce que Dieu te dit tous les jours? Qu'on a fait, qu'on a n'importe quoi. Parce que au moment que ils ont la mode, non, il faut tala. Est-ce que au yoki entraînement mugongo anayisio salabongo, sinon kosi bongo et melami. N'investis pas dans une affaire parce que tout le monde y investit, sinon tu vas perdre ton argent. Continuez. Ésaïe chapitre 48 verset 17 version Darby. Oui. Ainsi dit l'Éternel, oui, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi. Je suis l'Éternel, ton Dieu, oui, qui t'enseigne pour ton profit. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit, pas yes, pour ton échec. Amen. Continue. Qui te dirige dans le chemin par lequel tu dois marcher. Qui te dirige dans le chemin par lequel tu dois marcher. Encore, tu dois, obligatoire. Yes. Amen. Je vais te dire ce matin, dimanche, que destiné na yo déjà est tout tracé. Et oui, je peux te donner des exemples bibliques. Et dans notre vie ici, c'est tout à fait tout est déjà tracé. J'aimerais te dire clairement que ta destinée sur terre est déjà tout tracé. Avant Jean Aya, avant Abotama, Balobitango Abotama, Aouzalini, Panzanzila, pour nous préparer Zelayanani, Yesu Masia. Mission Aya Yébani. Avant que Jean le Baptiste ne puisse naître, sa mission était connue, celle d'être les précurseurs de Jésus-Christ. Tango Yesu Abotami, avant Abotama, Balobinini, Aouzalini, sauver d'où? Monde. Avant la naissance de Christ, sa mission était connue, celle d'être le sauveur du monde. So, Makamboeza déjà tout tracé. Les choses sont déjà tracées. Mais yo yé, ok, kubana usala makamususu. Et vous venez vous faites autre chose. Jérémie, prophète Jérémie, Balobi, il sera prophète pour des nations, avec précision. Le prophète Jérémie avait pour mission d'être prophète, pas pour une nation. Si vous voyez, a commis homme d'affaires. Alors s'il s'investissait dans des affaires, est-ce que sa mission réussirait? Na lingna c'est ok, yon seiza tout tracé, yangwa lobi, je t'instruirai dans le chemin que tu dois marcher pour ton profit. Puisque tout est déjà tracé, voilà pourquoi il pouvait dire, je t'instruirai dans le chemin que tu dois marcher pour ton propre profit. Mais yon si ko yo yé, ozo sa n'importe quoi, omoni o yo azote ka sabatu, yo pi o koti na sabatu, ozo tu na koutu volontiers zambete, o tu ni molimo monsantu, o yo azote ka ba nako, yo pi o koti. Est-ce que Eza chemin na yo?
Et vous, dès que vous voyez quelqu'un prospérer dans un domaine, vous vous y investissez aussi. Est-ce que c'est votre chemin? Avez-vous consulté Dieu? Yango proverbe 14:12 à lobi tanga pona ngai à lobi nzela yoso na miso ozo bona nzela mais ezo me mandé na liwa yango moni mutu alamuki lelo azoke ne maloko baza 10 bakena maloko. Mais nakati ya 10 wana oyoka ke moko kana nzela wana baninga baleki kuna meye aleki kana nzela wana meye nzela emelie akufi accident islami akufi pola nini mukolo wana nzela maloko eza tracé pona yete. Amen. Oh bon okotambula te mukolo nzela eza na posa ya makila balo bakala muloko nanga ke okotambula te mukolo balabala nzela eza na posa ya makila. Et chez moi on dit que tu ne vas pas sortir le jour où la rue aura besoin du sang. Oh ma chaîne de bête. Proverbe chapitre 14 verset 12 papa. Il y a telle voie qui semble droite à un homme, mais des voies de mort en sont la fin. Ça semble droit, mais ezanzela ya liwa. Ça conduit finalement à la mort. Tout chemin n'est pas un chemin. Il faut singa direction divine. Voilà pourquoi il faut consulter Dieu. Oye bazam azo lobela yo nini. Savoir que te dit Dieu. Na uti kote ya un jour je venais de prêcher. Na ipen kuna suka kuna ipen kote ya cité maman mutu. Vers la cité maman mutu. Baby nazana ba disciple moko baza fils de tonnerre bana kake pembeni na ngai balingate ba ya pembeni na papa na bango basi na sisi kote na conférence ya ba ministre conférence des ministres na église moko kobi makabo na koti na mutu kate tolingota mama moko mukolo alandi biso alandi alandi bazo benga na ye na bi tikaya na kitivit mama likambo nini abi papa j'ai un message pour toi. Allons-y, parle. Eh, na moni ki ozana mobembo, balingala makasi. Aza mama mkolo. Na moni ozana mobembo moko, olingio kende. Zambe alingio kende na mobembo wanate. J'ai vu que tu étais prêt à voyager et Dieu ne veut pas que tu fasses ce voyage. Si tu y vas, tu vas dans un Mouchika, pays étranger. Mais Dieu ne veut pas que tu y ailles. Je vois moi quand y'a bana kake, fils de Boanages. Ah, alors quoi qu'on a, biso tosto, mieux sois déjà préparé. Alobi atim neti blague comme des blagues ngonga epusana voyage bloqué bloqué quand le temps est arrivé le voyage était bloqué pour nako confirmer que maman wana a monaki pour confirmer que cette dame avait vu bien et si j'avais parti balimba yokisa ngai soni parce que ngonga wana nde ba combattants sobi combattu ba bandi balobi balimba mona motei mokote aya wa kote ya oye toko beta yo so kaka na ngonga wana ile kwa na ibina lobi mama wana amoni omoni to boaks me tala makambo e ile kwa nini je voyage même chaque mois un moment na église na biso na poto ba pemelinga visa kaka bala liboso na ngonga wana. Bomoni mama wana azana raison. So zambe a monike soki okay na voyage yo okozana na problème visa est limité. Le visa n'était pas sorti, cette dame avait visé. Et confirmé maloba mama wana à 100%. La situation avait confirmé la parole de la dame à 100%. Alléluia. Amen. Yango nzela yonso eza nzela ya yote. Voilà pourquoi tout chemin n'est pas ton chemin. Et koko zaya mutubusu me yo omeki koleka wana liwa emelio. Ça peut être un bon chemin pour un autre mais pas pour toi sinon la mort va t'emmener. Tanga pona ngai. Papa, notanga Psaume 84 verset 6. Il dit bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur ils trouvent des chemins tracés. Dans leur cœur, ils trouvent le chemin tracé. Zambe alobe la kabiso na nzela ya nini? Na mutema. Oyoka voix wana douce.
Tu vas entendre la voix douce. Na kati na yo. Au-dedans de toi-même. Mukoloyo osambe la kalisusute, hein? Sœur Maria. Hein? Est-ce que Satan a koyebisa yo ke osambe la? Parce que le diable dit. Mukongo anande kolobela yo kobimate. Mukongo anande koyebisa sala affaire boy. Sala boy. Au voyage yo kokende. Il faut to mesana koyoka yango. Devons nous habituer à entendre cela. Yango alobi, je t'instruirai dans le chemin que tu dois. C'est cette voix qui te parle à tout moment quand tu manges. Monsieur Damé Fufumi Balé, au Pambolité, frère, n'ai pas papa na yokaka. Omoni wanande na komi religieuse. Ici, côté déjà, kudum. Non, au Pambolité. Ok. Seigneur Jésus, je bénis cette repas. Je les transforme dans ma kila na yesu, dans zoto na yesu, dans zami pour moi. Mais moi, quoi, c'est écouté déjà d'amour. Après, na yoki bugogo wana 12. Que tatu mousali ya zambé. Nano, pas moulo, za presse, presse, boye ni kamoni. Et ya kaka tout le temps. Yonde ou mesana na mugongo wana. Cette voix parle à tout moment. C'est à toi de t'habituer à l'écouter. Mais tu sais, lelo, c'est juste nazo la la te. C'est-à-dire que nazo luka bongi non musala le sambo lobi na izima il faut na lala bien que basa na émission matin prophétique na koti na mbeto soki 23h minuit na tala r muli muzantu azia la muzinga na 1h30 eroyo na kanzi ke toza la 4h du matin na sina la muki. Il faut attendre d'abord message, il faut n'ayez qu'à zambi d'abord le langage parole prophétique. Il faut attendre d'abord d'abord missionnaire yonso na butu. Tina tongo wa nazo tinda. Eza na WhatsApp na message na tindi na sali voice même. Bona ko expliquer bango en résumé. Pourquoi examination de soi-même. Amen. Tout ça na sali avant naya pour na matin prophétique. Tout ça je l'ai fait hier avant de venir au matin prophétique. Alléluia. Amen. Bato bazo zelanga na Angola, bazo zelanga na Afrique, bazo zelanga partout na poto pour la parole prophétique. Bana po il faut balo bango na ba église na bango. Il y a nombreux qui attendaient mon message car ils devaient le transmettre à leurs assemblées. Tout chemin Zélanios n'est pas un chemin. Zambé à l'obaka. Dieu parle. Je t'instruirai dans le chemin que tu dois marcher pour ton profit. Alléluia. Amen. Tout mon exemple est généreux dans la parole de Dieu. Nous avons vu l'exemple de comme Abraham. Na kute na biso eleka. Comme Josué. Tomoni exemple na bango. Nous avons vu l'exemple d'Abraham. Tengi bazo landa direction divine. Comment il suivait la direction divine? Alléluia. Amen. Yango basali différence. Voilà pourquoi ils ont marqué la Nangonga na bango dans leur génération. Tomoni exemple ya prophète Élie. Nous avons vu l'exemple du prophète Élie. Un généreux de Dieu. Wana lomé ya Nzambe. Soki a landi direction divine akokufa na esika wana na nzala. S'il ne suivait pas direction divine, il mourrait de faim. Tomoni exemple ya roi David. Nous avons vu l'exemple du roi David. À chaque pas azo interroger Nzambe. À chaque fois, il interrogeait Dieu. Il pense olobi nini. Que dis-tu? Contre les Philistins ou bien que j'aille combattre ces Philistins ou non? Un jour, na vandi, ma vandi a moni ango mutuma ko alobi. Azo ingai hein? Alobi, batu bakosa kanase a moni. Alobi ingai na tato yoto kuta kana Oseyon ya Lagos. Na mon na biso na bi ingai na yebi tato yuti. Bazo loba makamu na talibu. Muli musanto alobi kanga muno kuna koloba ilokote. So makamu susu ato finginga ato lobi nyoso. Toki muli musanto asia alobi nazo tala yuka kaboi. Menga mako na biyebi ke. Nazaya Zambe, na yebi yote, ozo beta luku ta. Tout landa direction divine. Suivant la direction divine, bien aimé. Alléluia. Les autres ozo tala. Aujourd'hui nous allons voir. Na kati ya makumi lisusu. Toujours dans les saintes écritures. Pour toi atterri. Afin de. Na Jean 10:10. Dans Jean 10. Amen. Na Jean 10:27. Verset 27. Yesu alobi. Jésus. J'ai connu mon brebis. Et mon brebis me connaissent. Et il écoute ma voix. Na sambeli ke matoi na yo. Ya molimo. Efungwama. Omada koyoka voix douze wana.
oyo azol lobila yo intérieurement na kombo na Yesu Masia. Je prie que tes oreilles spirituelles s'ouvrent afin que tu attendes cette voix qui te parle intérieurement. Na yambi mwana moko baye pona samela pona ye aza mine. J'avais reçu un enfant, on avait amené compris pour lui. On avait dit qu'il avait de mauvais. On a dit qui t'a initié dans ces obscurités. Koko ya papa. Koko, côté à papa. Alors, est-ce que tu habites avec? Koko azana cité quand Luca. Non, il est là. Un... papa. Moi, je suis ici avec mon père. Albert, bon. Yokama comme nazo le papa. Écoutez ce que j'ai. Ah, so, beaucoup de la dingue, Albert. Comment vous voyez maintenant? Ma cambo yo se so sale mananda kwa wa koko ayebaka. Tout ce qui se passe ici à la maison. Oh. Par exemple, ce qui papa a bêti, les qui n'ont pas de kinanga, zolé là, au mona koko, à côté n'anga, nani a zolé la kuna, na koeps, adoeps, eza, luku, luku de a zolé là. Non, papa. Atuna kanga na mutema, na yoko kaya na mutema wa. Alubi la kanga na yoki, et na répond yepi a yoki kuna. Et je réponds. Na mutema la bien. Yo vandi kuna ozo chetembe. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est dans ton cœur. Il habite dans ton cœur, t'as ton esprit. Ton esprit c'est ton cœur. Et il parle à travers de ton cœur. Cette voix douce là. Yo mona mutu akisoluka za kutu mwana zambete. Eza wana na Biblia, toza wana na makomi acte. Acte des apôtres, eza wana. Pierre avandi. Pierre était là assis. Et à mon vision. Il a eu Zambé atelier. Trois hommes c'est chèque, trois hommes te Dieu lui a clairement monté batomi sato bazongo. Avant baya pembe na porte na yasi ayebi aboni bango. Avant même qu'il approche de sa porte, il les a déjà vus. Omoni mutu akisoluka avandi ayebi ke bozo ya. Un occultiste peut rester quelque part ici. Et Senga Katomi développer, c'est tout. Cela ne demande qu'on puisse se développer. Tous à la sensibilité. Que nous développions la sensibilité. Tu veux entrer dans un véhicule? Cette voix te dit non, n'y entre pas. Dieu parle pour notre profit. C'est nous qui n'y prêtons pas. Si nous attendions cela, la différence na sea moyo yo. Tous marqueront la différence sous ce soleil. Je connais mon brebis. Et ils me connaissent. Ils écoutent ma voix. Brebis, toute brebis, s'il ne veut ce qui berger à l'hôpital, dès que le berger dit arrête, elle s'arrêtera. Parce qu'il y a un camion et le cas. Parce qu'elle sait qu'il y a un ce qui a télé, si elle ne s'arrête pas, le camion est tout à Koufi. Elle sera percutée et elle mourra. Brebis, on yoka berger. Toute brebis écoute son berger. Avocat de Sabango. Il va faire traverser. Amemi Bango, Biscaba, vers pâturage, Zali. Les conduire vers le Balé Matiti. Ils vont brouter. Après, à conduire Bango, na Biscaba, Maï Zali. Ils tombent. Bameli Maï, Batondi. Ils prennent de l'eau. Ceux qui te sont dans la direction divine. Si nous suivons la direction divine, tu ne vas pas mourir de faim. Amen. Brebis, on l'anda berger. Allah la kanzalate. Brebis qui suit son berger ne meurt jamais de faim. Moussala berger est alouka biscabile et alipona ba brebis. Le rôle du berger c'est de chercher un vert pâturage. Moussala brebis est ayoka berger et atosa berger. Et le rôle de la brebis c'est d'écouter le berger, d'obéir à sa voix. Les autres otanga. Aujourd'hui nous allons lire. Na Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome. Masubra nekalo zozo brosike pelege do sombro dia mahaya. Deutéronome 32, à partir du verset 10. Deutéronome 32e chapitre, au verset 10. Bien-aimé, Molingami, Olingi osala exceptionnel. Tu veux être exceptionnel. Olingi zambia sa la différence na vie na. Tu veux que Dieu marque la différence. Olingi vivre prospérité réussite. Tu veux vivre la prospérité là. Olingi au raté enlèvement. Tu ne veux pas rater l'enlèvement. Il faut zala na écoute. Tu dois être toujours à l'écoute. Oh yes. Amen. Totangi. Deutéronome chapitre 32 verset 10. À partir du verset 10. Kennedy, verset 13, 14. Deutéronome 32 verset 10, version Darby.
Il est trouvé dans Zongana 29, s'il te plaît. Bandana 29. Yeah. 9. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. C'est son peuple, normalement. Jacob est le lot de son héritage. Oui, à l'Égypte, tu as un héritage. Amen. Voilà. C'est 10. Il est trouvé dans un pays désert. Oui. Et dans la dissolution des hurlements. Atiki Bango, tu es dans le désert. Non. A conduit Bango. Na kati abondance na sambeli zambe na nga a conduire yo na kati abondance na yo a conduire a cause yo na héritage na yo mais il faut la direction divine. Malgré cela faut suivre la direction divine. Il est trouvé dans un pays désert et dans la dissolution des hurlements d'une solitude. Il est conduisit ça et là. Ok, il est conduisit ça et là. Ça et là. Ça et là. Mutu azo conduire ça et là. Yo boy, yo zolingo zanzela jusqu'au Corée ici dengeni. Ozo mona, okoza la différence dengeni. Il n'y aura pas la différence. Ok, c'est n'est qu'osa la thé. Il est conduit ça et là, il prit soin de lui, il les garda comme la prunelle. Il prit soin de lui, il les garda comme la prunelle de son œil. Verset 11. Comme l'aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Verset 12. L'Éternel seul l'a conduit. Oh! Et il n'y a point eu avec lui des dieux étrangers. L'Éternel seul fait quoi? La conduit. Amen. Direction divine. Amen. Instruction. Bébapolanda. Je t'instruirai dans le chemin que tu dois marcher. Amen. Je te conduirai dans le chemin que tu dois marcher. Na côté yo nanzela o sengeli ko. Ça. Ezo zanga bana Nzambe ebele après tu kamati ko finga Nzambe yango. Oh, eza faute na ete, eza faute na yo nangai. Biso ne tozo yo kayé te. Parlant yonso azalaka sima ya mwana na ye a réussi. Alinga mwana ye a ponga. Omona soki a monitaje azo lobela mwana azo conseiller mwana. Amen. Bongo Nzambe na biso. Tout parent aime le bien-être de son enfant. Dès qu'il voit un danger, il va conseiller son enfant. À plus forte raison, notre Dieu. Dans ces derniers temps, une chose qui va jouer un grand rôle dans la vie d'enfant de Dieu, sensibilité. Koyoka. Mugongo. Écoutez la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu. Asina FC Dengue Alobaka, c'est simple comme ABC. Exemple, la pisa kawana, ezayons. L'exemple que je donne résume tout. Alors, nous avons le Christ à nous. Et si nous avons le Christ à nous, tous en amakanisya yesu na kati na biso. Nous avons les pensées de Dieu en nous. Continuez. Verset 13. Il a fait passer à cheval sur les lieux hauts de la terre. Il a mangé les produits des champs. Et il lui a fait sucer le miel du rocher. Omoni, il a fait quoi? Sucer le miel du rocher. Pourquoi? Parce que la direction divine. Parce qu'il suivait la direction. Instruction. Conduisez là. Ça et là. Ça et là. Là. Ça et là. Toke de boebaki. Sala boeba sali. Toke de boebaki. Baluka boeba baluki. Je t'instruirai dans le chemin que tu dois marcher. Mokeli na yo alobi na ko instruire yo nanzela oyo yo singeli otambola yo komi kotambola nanzela musu siko ko sala difference dengeni na metie na yo ko vivre difference te. Ton créateur a dit qu'il va te montrer un chemin à suivre et toi tu vas suivre autre chemin. Tu ne vivras pas la différence dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est clair. Ezali polele. Très clair. Penta polele. Ok. Et il lui a fait sucer le miel du rocher et l'huile de roc dure. Alléluia. Amen. À cause de cela, Dengazo conduisait Bango. Alors il l'a fait passer à cheval sur les lieux hautes de la terre. Pas d'élévation. Et il a mangé les produits des champs. Et il lui a fait sucer le miel du rocher et lui du roc dur. À cause
de l'instruction divine. Ce qui est landé instruction divine. Si tu suis l'instruction divine, au tambola na tapis rouge. Tu vas marcher sur le tapis rouge. C'est-à-dire, je parle de élévation. Et lingi kolobande au kotomboama. Amen. Allez ma cosombrode, continue papa même 14. Okay. Verset 14. Yes. Le cahier de vache et le lait des brebis et la graisse des agneaux et des béliers de la race de Bassan et des boucs avec la fine graisse du froment. Et tu as bu le vin pur, le sang du raisin. Alléluia. Amen. Yosuana, c'est la conséquence. Il a conduisait ça et là. C'était la conséquence de ce que Dieu les conduisait ça et là. Version Lingala et Alélo, yes. Deutéronome 32 à partir de verset 9. Kasi aponaki Israël et koma ekolo na ye benza. Voilà, Israël azanini ekolo na ye. Biso toza ekolo ya Nzambe. Benza. Amen. Il y a solo pesa, puis on est bas. C'est mince. Il y a Abraham selon la chair. Pour Dieu soit yambié sous les lots. A comme moi dans mes génétiques comme c'est moi. Mais nazoloba que selon la chair. L'indice mon sous nazoloba. Tous les descendants d'Abraham. Nous sommes la descendance. Tu manques à quoi ça y était? Que personne ne te trompe. Tous les descendants d'Abraham. Et ma richesse, surtout Congo Oyo numéro 1. Numéro 1. Surtout côté à l'est. Na Katanga. Katanga. Atangi ngo Zambia lobi ngo bien na Deutéronome 8 9 à lobi avec précision. Tu trouves la sous cette terre-là, les cuivres, sous les montants. Et il y a des montants, il y a des cuivres. Amen. C'est clair. Et sa place pour société. Numéro un mondial, il y a matière. Et ça, Congo. Amen. Baba, il y a un peu de temps. Parce qu'on vient dérober ici. Pour te faire voir qui est en réalité le vrai descendant d'Abraham selon la chair. Mashubra de Gabala Katozozo Brodia. Amen. Et c'est ça, Bitu Manabiso. Et c'est ça la source de notre défi. Bayebi. Ils le savent. Baras. Bazalia. Cette race est encore. Jardin d'Eden, Zaliawa. Le jardin d'Eden est ici. Akeboulan. Akeboulan. Mais. De l'humanité. Ici, Kambo, Jardin d'Eden. C'est ça le nom d'Afrique avant. Masokopo sekelebedege. Amen. L'Afrique, le berceau de l'humanité, c'est-à-dire la naissance de l'humanité, l'origine de l'humanité. Pour te dire, Adam et Ève, c'était ici, en Afrique. Amen. Ils ont pas battu babeng Afrique berceau et menté. Ils y collaborent. Bato babandande awa na mabele oyo. Mutumoka kosa yote na ba médiatisation ya ba image ko tali sa yonete ya Adam et Eve aza mutumoka étranger non azo porter peau couleur na yo. Amen. Que personne ne Abraham azo porter couleur. Moïse azo porter couleur yo. C'est l'Afrique. Adam, Abraham, Moïse, tous avaient cette pigmentation de. Yes, soyez à porter couleur. Christ est venu la porter cette. Leur a sonné afin que nous disions ces choses clairement. Dans cette même Bible qui nous a amené, va lire et tes yeux seront illuminés. Yango l'homme noir est fort. Yango ane moto mwindo na ramakasi. Koto ye Ebola, koto ye Sida, koto ye cholera, koto ye malaria, yoso toza kaka. Toza kaka izo dena. Ici, épidémie par là, même. Oh, mashallah, baya teke. Toujours là. Oh, yes, continue, papa Lingala. À partir de verset 9. Kasi aponaki Israël et koma ekolo na ye penza. Oui. Pelibota ya Jacob ezala bomengo na ye. Oh, yes. 10. Akuta ki bango na esobe ya zelo na kati ya makelele ya banyama ya mabe. Ok, banyama mabe batu vakango wapi? Où est-ce qu'on trouve des bêtes féroces? Ici, à en Afrique. Kaka awa. Pas ailleurs, ici. Et pas ailleurs. Abokola ki bango pe apesa ki bango mayele. Mayele. Abatela ki bango ndenge babatela kaliso. Ah. 11.
Ye moko ayaki ko kamata bango na makasi na ye. Asala ki ndenge kombe kombe abatelaka bazala na yango. Amemaka bana na mokongo alakisa bango ndenge ya kopungwa. Verset 12. Ya solo ezali yawe penza moto amemaki bato na ye. Atanzambe moko te ya bapaya asalisaki ye. 13. Atambusaki bango ti na likolo ya bangomba. Moni. Pe kuna aleisaki bango biloko ya bilanga. Na kati ya mabanga abimiselaki bango mafuta ya nzoi. Yes. Abotiselaki bango kutu banzete ya olive na mabele ya mabanga. Omoni ngai na melaka mafuta ya nzoi euta kaboma. Azana mwana na ngai jise atinde la kangai na melaka basukre na vino wana. Ozo una banzoi na kati. Ba oyo ba fabrike artificiellement oyo. Awa is a ter jardin dede. La Kerboulan, c'est ici, le jardin d'Eden. Alléluia. Atamusi bango, ça est là. Continue. Verset 14. Oui. Bazala ki komé la miliki yangombe pe ya meme. Omoni, miliki yangombe, mgaye oyo na melakango. C'est-à-dire, bazo bimsango boe. Tozo finango koutou. Mgaye na koli na koli na village. Hein? Moi, j'ai vécu au village. Bazo... Na tangi na village yango na koli papa na ngaza na ville mais asa militaire soda atinga na bandi internet école internet depuis maternelle. J'étais à l'internat depuis la maternelle. Mon père était militaire. Na koli na bande de côté. Je n'ai pas grandi avec ma famille. Et batonga ngamba lobiye a koli na biso te papa linga formé denge ye asa. Na ngai depuis maintenant na suba kana mbeto na tangwa na naza déjà na internelle na kei na maternelle primaire secondaire ka dingwa. J'ai so, na village, village à papa ou déco, au moins, place on année. Na yebi biloko yo yonso, au moins, milik de kezo bimaboe, et za la kasukali kitoko, to tien na frigo, to tien sucre, to meli, et za la bien, frère, ba ou yo ba kinoise ou ba boutamia ou ba yebi makamo yote, na yza moise yo za kinoise ou yebi logote. Alléluia. Amen. Oh, so, yango an. Pour mon aké, et loko, ça se fait. Kende, ça se fait seulement ici en Afrique. Et ça démarre à Yos. Tout cela. Mayamayos, bête sauvage. Ah ouais. Les bêtes féroces, c'est ici. Continue. Bazalaki comme la miliki yangombe pe ya meme. Bazalaki kolia misuniaki toko ya bana meme. Bazalaki na bangombe. Ba meme pe bataba ya mafuta. Bazalaki na mapa ya kitoko pe na vino ya malamu penza. 15. Sima. Bato ya Israel ba ye ko tonda na bomengo. Oh yo. Komi minene pe mafuta. Oh. Ba bandi ko sala lolendo. Oh. Yo so wana a cause nini? Direction divine. Instruction. Instruction divine. Je t'instruirai. Dans le chemin que tu dois marcher, il leur a conduit ça et là. Neko, matoi na yo ya molimo e fungwama. Amen. Ozala l'écoute ya mugongo ya zambe na yo na kati na yo. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Nous sommes le temple de Dieu, là où habite Dieu par son esprit. Et s'il habite en toi, il doit te parler à travers ton esprit, ton cœur. Amen. Ozali ne temple ya zambe pa yo pa fa na nzela molimo na ye. Kasi soki ya solo avant di kati na yo, asengeli kolobela yo na nzela ya molimo. Boni boni olamu ki oyoki eloko lobi. Lelo ezaki uta kende na eglise mutute alobeli yo moko yo ki voix douce intérieurement boni boni otelimi na balabala o salima boko na yo ko telimi sa taxi moko boy yo ki eloko mo ayepe atelimi yo ki eloko alobi no kokota telo no kende kende ese comme li avant. Amen. Vlanda voix douce wana intérieurement, suis cette voix douce intérieurement et lobaka tout le temps même ti na habillement. Cette voix parle en toutes circonstances. Tu veux porter tel vêtement, la voix... Non, pas ce vêtement, prends un autre. Non. Tu veux agir d'une telle manière, cette voix t'interroge. Si nous nous y conformons, tu causes la moindre problème. Nous n'aurons pas à ce problème. Là où la mort t'attend, tu l'échapperais déjà en avance. Alléluia. Amen. Allobaka. Il parle.
C'est nous qui n'entendons pas. Alléluia. Amen. Il leur a conduit ça et là. Atambusaki bango bipai na bipai. Bien-aimé, je suis venu dengi nazo atterri pour na koyebisa que ta destinée ici-bas est déjà tout tracée. Na inkoyebisa yo na kosukisa oyo yo sengeli ozala na mokili oyo esi ebongisama bandakala. Ce qui te suit exemple ya balabala. Si nous prenons l'exemple de la route. Ovanda kana Gombe. Tu habites Gombe. Oligoki de aéroport Njili. Tu veux aller vers l'aéroport de Njili. Destination yangwana. C'est ta destination. Njili aéroport. Ovanda kana Gombe. Tu habites Gombe. Oyebike nzela moko ezali tout tracé di na aéroport Njili. Tu sais qu'il y a une voie qui est tracée jusqu'à l'aéroport de Njili. Papa nope. Ezawana nzela o ezota ça. Nzela. Et aussi des plaques signalétiques. Yo olio landango au kamati nzela ya Kitambo, Kitambo magasin makampa ipen obaniko kede papa mama okomire tuve na batadi na bakongo. Et si tu te diriges vers la route du Pen Matadi Kibala, tu vas te retrouver à Matadi au Congo central. So, destiné ya mutu yeba yango lelo yebela yekola ke eza tout tracé. La destinée d'un homme sur la terre, sache-le, elle est déjà toute tracée. Par ton Créateur. Il serait avantageux pour toi que tu te conformes à sa voix. Tout à l'exemple à Jérémie. Nous allons voir l'exemple du prophète Jérémie. Jérémie 1, verset 4, 6. Verset 4 et 5. Jérémie, chapitre 1, verset 4 et verset 5. Jérémie chapitre 1 verset 4 version d'un. Et la parole de l'Éternel vint à moi. Verset 5 disant avant que je te formasse dans les ventres de ta mère. Oui oui. Je t'ai connu. Okay. Je t'ai connu. Na yebio. Nde kwa yebio. Il te connaît bien aimé. Albi azana plan, azana projet pour na yo. Il a dit qu'il a des projets pour toi. Pas projet de malheur. Mais de bonheur. Pour te donner à venir qui te retourne. Jérémie, tu es 29, puis après. C'est ça, verset 4 et 5. Oui, verset 5, papa. Disons avant que je te formasse dans le ventre de ta mère. Avant. Je t'ai connu. Et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète pour les nations. Je t'ai établi prophète pour les nations. Je donne l'exemple de mon épouse. Un Belge. Elle a travaillé avec un Belge. Elle a eu de l'expérience jusqu'au niveau de ce pays. Elle a la maîtrise dans ce domaine de restauration. Elle a rencontré des autorités. Même ancien chef de l'État a servi Yeboué. Elle a servi à même cause de ce travail, l'ancien chef de l'État. Il y a restauration des traiteurs. De ce travail des services traiteurs. Elle connaît tout. Amati, tu as supervision, il y a domaine. Elle était même superviseur dans ce domaine. Maintenant, à côté de Bongo et Belé, presque 35 000 dollars. Et elle a matériel. Environ 35 000 dollars pour acheter ces matériels propres. Avec des chaises. Selon sa connaissance, c'est ça sa destinée. Depuis un jour ayoki mugongo akotana makambo ya abima. Abima oyo atanga klaste. Mama boti yende atanga kango. Mama abota ki yende atange kloko wanana nde na mama mususu ayebani lelo awa mama Sara sera oya tongaka me ayoka ki elle en hey! Akoti na domaine wana lelo elle est entrée dans le domaine et komiko salisae et c'est ça qui l'aide aujourd'hui. Domaine oyo atanga kite un domaine pour lequel elle n'a pas étudié omoninga ningi na bibiboye ça fait partie de œuvre wana. Et tel que je suis habitué, c'est l'une de ses œuvres. Maintenant, Sikoyo. Mutu na mutu azana destinée tracée pour naye. Chacun a une destinée toute tracée pour lui.
vous voyez. Avant que tu sois formé dans la vente de ta main, na yebiyo, na ordonné yo en tant que prophète avec précision pour les nations. Pas une nation. Et que le mon côté. Pas une province. Pas village. Nation en pluriel. Mokelia Jérémie. Le créateur de Jérémie. A petite capacité. A investi les capacités. La grâce. Y'a cause à la prophète. D'être prophète. Pour des nations. Bon abikolo et belé. Chemin naïe est à tout tracé. Son chemin était déjà tout tracé. Ce que Jérémie a quitté, a commis côté kateka, a commis homme d'affaires. Est-ce que a quoi accompli mission naïe? Non. A bungizi zela. Oko bunga zela li susute. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Il y a des gens, bazama na bayembe la biso poto sepela. Bamususu, batonga pona, batumusu, basala sabatu, batumusu. Mutu na mutu azana. Chemin naïe. Chacun a son chemin propre qui lui est tracé. Voilà. Tanga. Ngala, toke. Version Lingala, monde nouveau, Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Yehova et bandaki koye langai ete. Verset 5. Liboso na salayo na kati ya libumu. Na yebakiyo. Pe liboso obima na libumu. Na santi sakiyo. Na komi sakiyo mosakoli. Epa ya bikolo. Yangwa na ifoto za l'écoute. Parce qu'à l'objet, je vais t'instruire dans le chemin que tu dois marcher. Pourquoi tu dois marcher? Parce que c'est déjà tout tracé. Est-ce que ce sont les Amen. Est-ce que au pambo l'ami? Amen. Voilà. Jérémie 29, verset 11 et 12. To clôturer wana. Nous allons clôturer dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11 et 12. Jérémie, chapitre 29, verset 11, version Derby. Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, voilà. Dit l'Éternel, voilà. Pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Voilà. Douzième verset, et vous m'invoquerez, et vous irez, et me supplierez, et je vous écouterai. Treize, et vous me chercherez, et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. Voilà, de tout votre cœur. Amen. 14. Et je me ferai trouver à vous, dit l'Éternel, et je rétablirai vos captifs, et je vous rassemblerai d'entre toutes les nations, oh. Et de tous les lieux où je vous aurai chassé, oh. Dit l'Éternel, et je vous ferai retourner au lieu d'où je vous ai transporté. Alléluia. Amen. Tout ça lié à la direction divine. Amen. Version Lingala, monde nouveau, Jérémie 29, à partir de verset 11. Tenga Yahweh, Nayebi Makambo na kanipo na bino. Eko zala makambo ya mawate kasi ya esengo. Na kobate la bino, pe na kopesa bino bolamu oyo bozali koluka. Ngai Yahweh moto na lobi boye. Douze. Boye soki boye ko bele langai, voilà. Pe ko sambe langai. Oui. Na koyoke la bino. Yeah. Treize. Soki boluki ngai. Bokomonanga soki bolukinga na motema moko motima moko motema moko. Hallelujah. Ndeko na banzi opambola mingongo na ngai sekei. Bien aimé, je pense que tu es béni, mon temps est épuisé. Psychosali. Partout tu es. Il faut mesana. Tu dois t'habituer. Kozala na biso elongo en esprit. D'être en esprit avec nous. Tozo kumisa zambe bongo tosambeli. Nous allons louer Dieu. Jésus soyez na mokili. Jésus est venu dans ce monde pour nous donner la vie. Il n'est pas venu apporter la mort. Il est venu apporter la vie. C'est le diable qui vient voler. Satan a détruit. Et égorgé. Ce que mon ibatu bazo kufa. Quand tu vois qu'il y a des morts, ce n'est pas notre ça, Dieu. Ça c'est le diable. C'est lui qui vient voler. Détruit. Et tué. Jean 10-10 a confirmé encore. La Jean 10-10 l'a confirmé. J'aimerais qu'ensemble nous chantons. Aïe, Awa, Nassé, Yesu, Aïe, confessa, Bobo, Yesu, Mobi, Kissi. Yesu, Aïe, confessa.
Yesu aye, awa nase. Yesu.
sa omoyi Yesu mobikisi Yesu aye Yesu aye Yesu aye Yesu aye Yesu aye kopesa omoyi Yesu mobikisi Tu es venu nous donner la vie. Pas nous accorder la mort. Satanande aye koboma. C'est le diable qui est venu tuer. Kopebisa. Détruire. Et tozo mona. Et nous voyons. Ba semence na ye na mokili na biso lelo. Sa semence dans notre monde aujourd'hui. Oyo balingi ba boma mokili mobimba. Ils veulent exterminer le monde. Baso tosa agenda ya Satana. Il se conforme à l'agenda. Mais yo Yesu Masia. Mais Jésus Christ. Oye kopesa biso bomoi. Tu es venu nous donner la vie. Na sambeli pona bandeko bazola na ngana minute. Je prie pour tous les bien-aimés qui me suivent en cet instant. Yamba direct. Yamba bomoi ya Yesu Masia. Reçois la vie de Jésus Christ. Yamba bomoi ya Yesu Masia. Reçois la vie de Jésus Christ. Aza bomoi na biso. Il est notre vie. Aza mobikisi na biso. Il est notre sauveur. Nangonga oyo. En cet temps, yamba bomoi na ye. Reçois sa vie. Na vie na yo. Dans ta na libota na yo. Dans ta famille. Na basfe na yo. Dans tes affaires. Na musala na yo. Dans ton travail. Bomoi eza la partage na yo. Que la vie soit ton partage. Na na bannir molimo ya liwa. Je bannis l'esprit de mort. Yosu e conduisa ka la mort et la kela mi mabe na vie na bino. Tout ce qui conduit à la mort est maudit dans votre vie. Yamba lobiko. Reçois la vie. Esprit à mes corps. Dans ton esprit, dans ton âme, dans ton na corps. Kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ. Et je vous bénisse de cette dimanche. Na mokolo yenga na déclaré dimanche na bino et pambolami. Votre dimanche est béni. Na kombo na Yesu Masia. Au nom du Christ Jésus. Atana tangi te maladi na yo. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Dengi wa imposé ma boko na loboko yo. Dès que tu as mis ta main à la porte de ma mère, tu es guéri. O kangolami. Tu es délivré. Reçois. Yamba. Ta guérison. Reçois la vie de Jésus dans ton corps. Na proclamé yo guéri. Je te proclame guéri. Restauré. Et restauré. Nazo mona bazo flashinga cancer. Cancer. Professeur Emerson. Cancer. Ndeko. Ozawana ozola nangai parazate. Tu es là, ce n'est pas un hasard que tu me suives. Na lobi okangola mina cancer. Je dis tu es délivré de ce. Dengi nazolo aboye na libéré moto ya zambe na nzoto nayo. En déclarant je libère le feu de Dieu sur ton corps. Soki babunganga bayebi ke batumbaka selon mayele na wango na rayon X cancer, moto ya molimo mosantu eza libéré na nzoto nayo et tumbi cancer wana na kombo na Yesu Masia. Amen. Et si selon la médecine donc consume le cancer par les rayons X, moi je décrète que le feu de Dieu puisse consumer ce cancer. Voilà pourquoi il nous a baptisé du Saint-Esprit et du feu. J'ai le feu de Saint-Esprit à moi. Amen. Et je te communique cette feu du Saint-Esprit. Amen. Et cancer ce cancer et disparaître. Il disparaît. Yamba yango. Reçois cela. Yamba au nom de Jésus. Mbuma wana pe na déclaré eli moi son trace. Que ce gonflement disparaisse son trace. Oko contrôler nzoto na yo oko mona yango lisusu. Tu vas contrôler ton corps, tu ne vas plus le voir. Hémorroïde extinct. Okangolami opikisami. Tu es délivré de cette hémorroïde. Écoulement de sang wana ikatani. Otanga makila. Au nom de Jésus. J'arrête cet écoulement. Natanga kana yo natanga yango te. Je suis ton cas ou non? Opikisami okangolami. Sache que tu es guéri et délivré. Je le dis, tu es guéri et délivré. Ozawana ozana partie ya cerveau, c'est-à-dire dengi nazo lakisa yo boye côté moko ozoyoka passe peza na ngambo moko. Tu as une forte céphalée à moitié de la tête. Zamenanga monio. Bon Dieu t'a vu. Opikisami okangola. Tu es délivré. Ezala balepsio eza tumeur. Que ce soit dû à un tumeur. Tumeur wana na kausi yango na moto ya molimo mosantu. Amen. Je le sais au nom de Jésus. Kangolami au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Toute courbature na nzoto. Papa signe son nzoto. Opikisami au kangolami na yango. Tu es guéri et délivré. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Le communion soit zongi la yo tata. Toute la gloire te soit rendue. Merci pour notre témoignage ya bandeko. Merci pour les témoignages de bien-aimés. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bandeko. Bien-aimé. Chaque dimanche comme ça, Tozali, à 7h du matin, et chaque vendredi, à 17h, et chaque mercredi, à 10h. Le programme habituel de nos cultes, nous sommes là dimanche à 7h, mercredi à 10h et vendredi à 17h. Et Nazo Lobake, ce qui est un témoignage, je vous ai dit, Tindaviso Voice Audio par WhatsApp pour tout être là, témoignage, nous avons dit que Yesu Azana Bomoy. Et quand Dieu opère une grande chose dans ta vie, ne manque pas à nous envoyer ton témoignage par audio, par WhatsApp, afin que le monde sache ce que Dieu a fait dans ta vie. Et aussi, nous avons une réunion très importante, une réunion très, très importante le 15, à tous les serviteurs de Faith International Mission, Bacoral, Protocol, Sécurité, nettoyer tous les départements de Kokutana awa na siège na biso na 17h en respectant tous les barrières cache-nez désinfectant et tout cela au yenango et parce qu'il faut tout planifier pour na cute na biso il y a le 16. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao. Le temps de témoignage. Petela Yesu maboko makasi. Bote, bote mingi na bandeko nyonso ya film. Ngai kombo na ngai Arnaud Okoko. Nazalaka na Brazzaville. Na bingi na lelo na loti na voice oyo. Bwana lukumu ya kombo ya Yesu. Zambe oyo pase dayo akomisaka. Journée ya le 6 mars na Boutou na laki ko suivre chaîne ya film en direct na kana mal mo ke sala kana le bubu na mela ba kisite ke nyoso a eko silate na sala ndenge tu eko ke tete na la journée le 6 na ko sambe na osambe na osambe na ona passer ta vie tango a lobi ke ko moto nyoso a senti mal. Assez mal pour moi, parce que je suis pas si. Et na simbi, quelques minutes après, na mon sorti chalet na bimoumo. Et que ma louana, il faut disparaître. A la mouille na tongo, na bina mon sangaï, mal nanga, et pour me go salangaï, et si. A bina gessin de gagne, non, na boutou, na sam na ki on dirait la passe à taille. A sam béli ou abonné par la barre, malade, tu vois, pour me go salapassi, ou yanga, ici, na kangou na pixami. Yangouana, na ikutu ndo nzambe mingi na nzambe pastor Etayo na bolamu nyoso asali kwa na ngai vumo nzambe apesa Yesu su makasi mingi ya kusambela kwa na baiboyo bazoyo kwa temanashi koyo bati ya wimotema bati ya conscience ki nzambe apesa Etayo asali kusana na kangwana na sengi merci mingi, merci mingi nzambe apangwana kwa pastor Etayo kwa kwa na Yesu petela Yesu maboko makasi. Spiritualiser ta vie. Va commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bat la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable? Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo na linie ya batu ba isapa makambo ya tenyewa.